Bonjour toi. Oui toi, toi qui es très content de ne plus avoir besoin de porter ça durant une séance de cinéma. Et bah ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois de février, que dois-tu absolument voir dans les salles? Great Freedom. Clairement, le mois de février fut riche en sorties passionnantes, même si de nombreuses petites déceptions ont également pointé le bout de leur nez et nous ont un peu fait passer un sale quart d'heure durant une période qui commence à devenir de plus en plus morose et où plus que jamais le 7e art se pose comme un magnifique échappatoire où l'on peut imaginer la société sous un jour meilleur. En posant un postulat assez macabre à une époque lourde de l'histoire de l'Allemagne, Sébastien Meyze arrive tout de même à mettre en forme un film solaire sur la rédemption d'un homme, mais surtout sur une manière de regarder une époque et de compter l'amour, qui personnellement m'a transporté du début à la fin d'un métrage que j'ai trouvé envoûtant, déroutant même parfois, mais surtout d'une immense justesse et d'une créativité cinématographique sans nom, donnant lieu à un moment de 7e art purement et simplement touchant. Et ce n'est pas uniquement un film d'amour. Et je pense que c'est profondément en ce sens que le réalisateur parvient totalement à nous toucher et nous embarquer dans son métrage. En prenant comme base une réalité historique lourde de sens, mais surtout particulièrement juste dans son traitement de l'humain, et avant tout, qui cherche à nous attacher à ses protagonistes, par une structure narrative et dramatique privilégiant une immersion lente et suave au cœur de ces murs fermés sur le monde, laissant comme une impression profonde d'emprisonnement non pas uniquement physique mais également historique. En ayant en tête cela, la mise en scène de Meyze appuie également la proximité des personnages en jouant une carte émouvante et surprenante, celle d'un attachement par le geste cinématographique et intime entretenu par les différents protagonistes, donnant lieu à une continuité dans l'attachement évoqué au début, un attachement qui devient profond et intense et qui donne lieu à une œuvre n'exploitant pas uniquement la profondeur narrative de ce récit, mais aussi une spontanéité plus émotive et simple qui touche radicalement le spectateur. C'est dans ce sens-là que le réalisateur parvient à puiser une sensibilité et une intimité qui est littéralement à toute épreuve. Le tout étant qui plus est particulièrement bien servi par une tripotée d'acteurs fantastiques dont on retient surtout l'excellent Georg Friedrich, fantastique dans le rôle de Victor et d'une tendresse folle évoluant avec beaucoup de finesse avec le récit. Mais bien évidemment, c'est surtout l'immense Franz Rogorowski qui vole la toile à tous les autres acteurs par une prestation folle et d'une pudeur immense à l'image de sa carrière encore trop méconnue chez nous. Dans ce voyage, on retiendra surtout une tendresse profonde qui se crée entre nous et ces personnages, entre nous et ce cadre si intime et pourtant si impersonnel sur le papier, mais qui entre les mains de Sébastien Meyze devient la parfaite mise en relief d'une époque charnière sur le droit des homosexuels de l'Allemagne, mais une œuvre cherchant surtout à faire de ses héros des hommes avant tout, faibles, simples, remplis de fêlures et de gravité, mais également lumineux dans leur exploration intime. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Great Freedom. Bien au-delà d'être un film qui parle d'amour, bien au-delà d'être un film qui parle d'histoire, c'est une œuvre intime, intense, émouvante, à fleur de peau et d'une justesse d'interprétation absolument folle.